Hey, bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 3 de FTT, FTP, je confonds FTP et FTT. Précédemment, nous étions en train de faire quelques petits aménagements, mais suite à le soir même, lors de live chez AS2, j'ai eu légèrement une prise de tête d'aller chercher... Des bûches de droite et gauche sous des arbres où il y a des toiles d'araignée. Du coup, j'y suis allé, sauf qu'à un endroit précis, j'ai découvert, sans trop faire exprès en fait, j'ai découvert que j'ai une node de Tomcraft qui m'a aspiré et qui m'a fait perdre tout mon stuff. Du coup, j'ai fait un petit peu en mode rage quit complet. Normal, hein, parce que perdre son stuff à cause d'une node, ça la fout mal. Mais après, je suis retourné voir, et je l'ai pété, j'ai récupéré les essences que j'ai données à BX, Monsieur BX The Kid, BX Kid, pour justement lui donner l'essence, parce que c'est la... Ok, merci Namoto, je t'en prie, fais-toi plaisir. Du coup, voilà. Ensuite... Bon, j'ai dû me refaire une armure, naturellement, hein, parce qu'une armure c'est quand même mieux que rien. Coucou Alex. Du coup, c'est pas plus mal, je l'ai construit ce genre de choses. Ensuite, une fois que je me suis refait quelques armures, ce genre de choses, ces armures là en fait, hein, ces items là, je me suis couché, j'ai laissé tourner mes abeilles et j'ai eu la surprise au lendemain que j'avais fait des nobles, des princesses nobles, qui est quelque chose que je ne pensais jamais trop réussir directement. C'est pour ça que ça m'a fait des nobles. Alors ces nobles là me produisent des drones en surplus, ici également un petit peu en plus, et ces combes suppléments là. Qui me crée justement ce genre de... avec des mini-lacs, c'est sympa. Qui me crée bah, du honey comb, quelques honey... truc là, mûche, voilà. Et un petit peu de bisax avec quelques fois... du bisax violet, là. Ouais, du magic works, voilà. Works. Qui me permet justement de faire d'autres sets avec ces abeilles. Notamment par la suite, j'ai augmenté ma ferme de ruches. Là, je viens juste de la faire hein, actuellement. Ouais, parce qu'il y en a certains qui lavent de droite et gauche. Et du coup, je me suis fait d'autres abeilles. On m'a ramené d'autres abeilles également. Donc c'est plutôt pas mal. Celle-là, je vais la mettre pour une autre abeille si elle vient par la suite. Je vais remettre les tropicoles ici, celle-là elle a pas de soleil évidemment. Voilà, normalement elle a du soleil. Aïe aïe aïe, putain, mais pourquoi tu m'as piqué maintenant, pétasse. Du coup ici les. Alors j'ai eu aussi les cultivated que j'ai pu la farmer, qui me donnent également ce genre de choses, de combes. Évidemment. Besoin de soleil aussi. Donc je vais donner le soleil. Vous inquiétez pas, je vais pas crever, hein. Je vais juste avoir Slowness 3 pendant X temps, mais c'est pas grave. Alors, du coup, je me suis refait des rookies, on m'a donné des rookies. Tu voyez, j'ai Slowness 3 à gogo. Du coup, les nobles continuent en gros stack. Putain, c'est moche de près encore. Je me suis refait des forests. Évidemment, il n'y a pas de soleil. Voilà. Comme ça, il y a du soleil. Et ici... aussi des forêts que des fois je modifie pour avoir des commons, ce genre de choses. Et ici, normalement, il n'y a rien. Voilà, c'est très bien. Alors, pourquoi je fais les tropicals? Parce que les tropicals me servira à faire l'armure, justement, un peu plus tard. Bonjour les lags. C'est pas très grave, hein. En même temps, on est beaucoup. Ouais, du propolis. Le propolis me sert avec 80% de chance d'avoir du fil. Là, j'en ai pas eu. Mais le fil me permettra... pour après me faire justement déjà ceci, que je m'en fous neuf pour avoir ceci. Voilà, et ceci me permettra de faire l'armure après, qui me permettront de s'amuser avec les petites abeilles qui fleurissent de partout. Il y a des abeilles de partout.
Je vais faire fleuriste aussi, tiens, en parlant de ça, parce que j'ai tellement de fleurs partout. Ça pourrait être fun. Du coup, bah, ça m'en produit petit pas mal. J'ai encore plein de drones ici que je dois analyser. Ici aussi, donc je vais augmenter les coffres, hein, évidemment, la taille des coffres. Mais pour l'instant, ça va. Donc, après les nobles, je vais passer à l'étape supérieure. Il faut que j'attende que ça en produise beaucoup. Les nobles plus des cultivate, et c'est égal à des magiques. Donc, les magiques, c'est plutôt bien, parce que par la suite, je pourrais faire des impériales. Voilà. Les impériales, je peux en faire d'autres. Avec qui j'ai... Vous voyez, avec du, par exemple, du lapis princess et des impériales drones, je peux faire du diamant. Et le diamant, c'est plutôt pas con. Bon, évidemment, c'est 1% de diamant. Donc, je vais essayer de la modifier pour qu'on j'en ai beaucoup plus. Pour avoir des combes de diamants, c'est des shards, des fragments, et ensuite c'est des diamants industriels. Donc, ça évitera de passer par une implosion compresseur par la suite. Voyez-vous, donc, c'est pas négligeable non plus. Mais bon, je vais principalement aussi faire d'autres combles. Princess, drone, et ainsi de suite. Alors, il y a la commande toujours de As2 qui est de modifier les arbres, là, de faire des croisements d'arbres en fonction des abeilles que je dois avoir. Et l'abeille que je dois avoir, c'est celle de l'ébony. Ah là, c'est celle-là. Et pour ceci, il me faut des Rocky Princess et des Valiant. Les Valiant, et ainsi de suite, ça me fait 5% de chance d'en avoir une. 5% de chance, c'est très peu, mais c'est possible. Regardez les nobles, c'est une dizaine de pourcents. En une nuit, j'en ai eu plus, donc voilà. Et puis les Valiant Drones, c'est bien parce que, oups, elles vont donner leur gène au drone, au requis, elles travaillent de nuit. Donc, c'est pas plus mal. Alors, bien sûr, une fois que j'aurai toutes ces abeilles, justement celle-là pour faire. Pour faire ce bois-ci, le bois-là, il me faut justement des petits pollens. Donc, c'est encore autre chose. Mais c'est également pour avoir ce genre d'arbre-là qui me permettra d'avoir du bois-là. Parce que As2 veut absolument du bois comme ça, du l'ebony wood. Donc, c'est un bois noir qui ira bien avec sa maison. Donc, allez voir ses vidéos. Concernant ces parce qu'il veut ce bois là, voilà, pour mais il n'y a que moi qui peux en produire puisque il n'y a que moi qui fais des abeilles. Donc il me faut 7 pouces là, c'est du jingle, du jingle avec un tic pollen. Ok. Qui se fait avec ceci, donc vous voyez, c'est du silver et du pollen de jinx, ça c'est de la pollen de pomme, avec du silver peach qui fait du. Voilà, vous avez en tout cas, c'est ça plus ça est égal à ça, mais celui d'avant plus celui d'après de la seconde zone pourrait faire éventuellement cette pousse ici que tu dois le mettre avec la queen et ainsi de suite, patati patata. Voilà, en clair. J'ai pas fini d'aller me chercher des pouces pour les modifier, les mettre tous ensemble. Voilà. Donc, vous voyez, c'est très cool. Par la suite, également, j'ai demandé à Shorty de me faire une éolienne. Donc là-haut, c'est une éolienne qui me produit de l'énergie. Parce que j'en avais un peu marre de faire de l'énergie avec les netherracks. Parce que la netherrack, c'est pas indéfini. Mais ça, voilà, ça me permet d'avoir de l'énergie en continu parce que ça génère environ 97 RF par tick constamment. Et du coup, j'ai dû augmenter mes réseaux énergétiques parce que au début, j'avais ce en lead. Bon, des tubes en lead. Donc. J'étais en train de chercher le mot. Voilà. Donc, j'avais pas assez d'énergie qui passait par là et par les machines. Parce que maintenant, les machines sont toutes reliées. J'ai pas besoin de faire avec la range. Voilà, ceci à chaque fois que je veux l'utiliser.
là, elle est constamment dessus, point. Voilà. Ça utilise de l'énergie, mais je m'en fous, j'ai tout là-haut qui me produit plus d'énergie que ce que je consomme. Donc, je m'en fous totalement. Voilà, j'ai fait mon réseau Applied, avec 3-4 disquettes dedans, et qui me servent pour ma Quarry. D'ailleurs, en parlant de Quarry, il faudrait peut-être que je la remette un petit peu. Du coup, le toc 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 toc, je vais en prendre, voilà, je vais tout prendre, hop, en mode YOLO. Aussi, j'ai perdu ma modulaire quand je suis mort avec, ça m'a un petit peu goûté, dégoûté, c'est pour ça que j'ai un peu rage quit. Yeah. C'est pas grave, je referai par la suite cette armure. Donc voilà, en clair c'est ça. Ça je vais virer parce que normalement c'est tout vide. Ou là c'est pas le vide en fait. Mais il faut que je les fasse cuire en fait. C'est pour ça que je vais monter mon four de Tinker. Qui me permettra justement. Qu'est-ce qu'il me fait lui? Est-ce que j'ai des choses dedans? Ah ouais, j'ai des choses. Ah mais j'ai plus de lave. Ah d'accord. J'ai plus de lave, et puis ici, bah, j'ai pas de lave parce que j'ai pas de Netherrack. Ah, d'accord, ah, c'est pour ça que je voulais, justement, non, bah, du coup, toc, 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 je vais faire un chest, que je fous ça comme ça, que je fous ça là, et c'est de l'iron. Putain, je vais le faire en auto machin, parce que c'est plus, c'est moins chiant. Tac, tac. Un hooper, hop, voilà. Il me refaut un autre chest en fait. Il me faut bien la planche par dessus. C'est du jingle. Le jingle, je le lis avec le rubber. Donc c'est pas un problème. Hop, je fous ça comme ça. Et ceci. Ici, j'irai chercher ma netherrack. Peut-être que j'en ai ramené. Tiens, en parlant de ça, de la netherrack. Oui, j'en ai ramené. C'est très bien. C'est très très bien, j'ai ramené de la netherrack qui me permettra de produire de la lave. Et puis bah ça je vais le faire en... Voilà. Comme ça lui il va donner de l'énergie au magma crucible. Qui par la suite va faire fondre la netherrack en lave. En lave, ça retombe ici, ça va se remplir ce petit tank là, vous voyez, ça remplit déjà ça. Et petit à petit par la suite je vais pouvoir... alimenter mon four Tinker par la suite. Voilà. Je vais me faire plusieurs sauts parce que j'en ai besoin. Voilà, hop. Tac. Fais-moi des vides pour de merde, je t'aime. Ok, c'est très sympa. Voilà. Comme ça, j'ai de la lave et il va pouvoir continuer. Alors, j'ai du nickel à faire fond, à faire couler du gold, du lead et j'attends tout le faire encore là. En train de se mettre avec le copper, je vais faire tellement d'alliages différents. Moi, je le sens gros comme une baraque et j'ai encore tout ça à cuire donc il n'y a pas de souci. Je pense que je peux y aller. Du coup, nous on va aller là-bas, pas du tout. Et je voudrais bien le savoir aussi pour les Wintry. Voilà. Alors, nous, on va passer dans le portail. Donc, j'aurai un petit moment de lag, normalement. Au nord-ouest. C'est le biome-biome ou pas? Alors, peut-être que je vais laguer. Ça aime pas trop quand on passe dans les portails, quand les zones ne sont pas chargées. On va aller dans notre quarry. Bah, dans notre... Non, on va aller dans la quarry. Côté de la plage. Ah bon? Ah, d'accord. Bah, c'est peut-être la plage que j'ai exploitée, en fait. J'avais pas vu qu'il y avait un biome de neige. Ça pourrait. Donc au nord-ouest. Ok. Bah cool. Bah c'est fun en fait. Voilà, j'ai mis des petites torches sur les armes. Comme ça fait mon petit chemin. Hop, ça je peux remettre là. Parce que j'ai besoin justement de minerai, donc pour ça je mets l'aquarie en route, je lui demande de faire du 64x64x3 de hauteur. Donc ça mine à la couche du diamant. Comme ça je n'ai rien à faire. Elle se vide dans l'underchest. L'underchest se fait virer par Applied, voilà.
paraplyne qui lui remplit dans les disques, mais puis je verrai les minerais demain en fait. C'est comme ça que je fonctionne. Du coup, l'aquarie. Bonjour. Non, tu veux pas? Ah si, tu veux. Alors, non, pas Z64. 64 par 64 par 3. Voilà, combustible. Elle veut du combustible, je lui donne ça, voilà. Appuie sur entrée. Et hop, elle mine. Waouh. Voilà, et comme j'ai un chunk loader juste à côté là, qui amène jusqu'à 5 chunks supplémentaires par là-bas, en plus je vais croiser un manchap juste à côté, donc j'ai encore plus de chances d'avoir de ce genre de choses. Ah non, c'est juste un bloc de lave, ok. Donc voilà, je suis tranquille en fait là. Je la laisse travailler. Je reviendrai demain. J'ai oublié de couper, c'est... Ah, effectivement, elle va plus vite en fait, la cocotte, quand une fois que je lui ai mis les upgrades de redstone en fait. Hein. Ah, tu préfères, hein. Moi aussi. Et puis voilà en fait. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Je pense, il est quelle heure? Non, il n'est pas là. À peine 16 minutes. Ah, oh, c'est bon, on va continuer un petit coup. Allez hop. On va continuer parce que je suis gentil. Je veux pas vous faire un petit épisode. J'ai envie d'en faire un petit peu plus grand. Du coup, on retourne chez soi. Évidemment, Chauve-souris, c'est un petit peu lent comme ça. Hein. Voilà. Il va falloir que j'aille hors caméra. Hein. Je vais pas vous faire zone minage intempestif complet. Ce que je voulais dire, j'irai dans le Nether chercher du quartz parce qu'il me faut du Nether quartz pour Applied. C'est plutôt important, justement. C'est pour ça que je vais y aller seul, tranquillement. Pour pas vous emmerder avec ce genre de choses. Puis voilà. Il y a aussi autre chose que je voulais vous dire, peut-être. Ouais, souvent je suis en live avec As2, hein. Quand lui il est en live, moi je suis aussi en live avec lui. Comme ça, ça va nous permettre, s'il a besoin des trucs, d'être directement en vocal avec moi, qui est avec vous, il peut nous poser des questions. Vas-y, rentre dans le portage, je t'en prie, et ne fais pas bugger, voilà, merci. Et là, ça va être 5 minutes le temps qu'il recharge le truc et qu'il capte que je suis dans la position. Dans la zone. Pourtant il chargeait ici parce qu'il y a un chunk loader. J'en sais rien pourquoi, mais voilà. C'est les portails, ils aiment pas que je sois dans les portails. Ouais, parce que je me transforme pas. Voilà. Donc ça lag. Bah pour moi je lag en fait. Donc, voilà. Ah, c'est bon. Il a... Si tu veux, il y a... Aucun souci. Aucun. Ok, c'est bon, t'as fini? T'as fini de me chercher? C'est bon? Ok, c'est bon, t'as fini? Ouais? Ouais, c'est bon, je peux aller... Ou pas? Allô, oui? Il fait beau, hein. Ici, je peux aller. Pas là. Ah bah si, c'est bon. Ah bah non, c'est pas bon. Ah si, c'est bon. Ah non, c'est pas bon. What? Mais il y a deux ces lags. Ah. Ah. Ah bah voilà. Bon, vous voyez, après, tout va venir ici, petit à petit, avec Applied. Je vais refaire des disquettes, parce que j'ai besoin de ces disquettes. Je vais me refaire des 1K, en fait. Ah, là, ça se remplit, parce que j'ai déjà l'aquari qui s'amuse. À tout ce vidanger. C'est plutôt pas mal. Et puis, de toute façon, je le verrai ici quand la turtle va s'amuser à ouvrir le chest. Je le vois directement quand elle se vide. C'est mature, c'est fun. Hop. Aïe, 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 aïe. 86, 86, 71. Ok. Du coup, je refous ça là-dedans. J'ai plus d'underpearl encore. Hop. J'ai de l'XP en plus. C'est fun, c'est génial.
Pas besoin de tout ce call. C'est très bien. Donc voilà. Bon, allez, je pense que sur ce, je vais vous laisser. Donc n'hésitez pas à commenter, liker, amusez-vous, allez voir les autres points de vue, hein, c'est toujours amusant. Ça au moins, ça vous dit ce qu'on fait chacun de notre tour. Putain, j'ai des cultivates, c'est plutôt sympa. Ah, j'ai une autre noble. Ah, c'est plutôt sympa, tiens. J'ai essayé de la mettre avec une noble, tiens. Tropical, elle veut toujours pas. Ici, je vais éviter de me faire piquer. Bon, ok, c'est raté. Ici, elle veut des mushrooms. Les nobles, ça continue toujours. Les rookies, je vais essayer d'en retrouver des rookies. Ça me servira pour plus tard. Ici, j'ai toujours les mêmes forests. Elles vont continuer. Je vais les faire en automatique pour plus tard. Parce que j'en ai besoin. Ok. Heureusement qu'on meurt pas de poison parce que je suis un petit peu dans la merde. Il faut pas que je rentre l'autre dedans parce que là je vais crever. Ah c'est fini, c'est bon, je peux reprendre la bouffe. Oui. Bon ok. Bon allez, sur ce, merci d'avoir regardé et puis on se dit à la prochaine. Ciao tout le monde. Oh, j'en ai tellement là-dedans.